on espère que vous allez tous très très bien et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors où on va, Maëlia? On va au cinéma. Et oui, on va voir Coco. On va voir Coco. Avant qu'il ne soit plus au cinéma, car le temps passe. Donc on se décide aujourd'hui à y aller. Normalement elle aurait dû y aller avec mamie, mais aujourd'hui mamie elle avait un empêchement, donc j'ai décidé de l'amener moi. Qu'est-ce que... tu passes de l'autre côté. C'est toujours le bazar à la maison, hein. On n'a pas encore rangé tous les jouets, etc. Donc on vous amène avec nous, ce sera un vlog ciné. Après on vous parlera un petit peu de ce qu'on a aimé dans le film, sans trop vous en dire. J'ai un truc à dire, maman. Qu'est-ce que t'as à dire, beauté? Donc hier, Maïda est allée voir, tu es allée voir quoi? Elle est allée voir Paddington le 2, je crois, le 2, oui, avec Paddington sa mamie 2. Au cinéma. T'as aimé? Oui. Ah, super. Donc aujourd'hui, c'est Coco. On va le voir en 3D car à l'heure qu'il est, la séance, elle sera uniquement en 3D. D'ailleurs, on se dépêche car on s'est levé il n'y a pas très longtemps, on a déjeuné, voilà. Donc on se dépêche un peu pour pas arriver en retard à la séance et on vous amène avec nous. Et juste oui. Avant de partir, qu'est-ce qu'on a reçu, Maï, aujourd'hui? On a reçu... On a reçu le gel douche de Maë, donc ça n'a rien à voir avec le vlog ciné, mais bon, on va vous le présenter ici en vidéo. Donc c'est Bioderma qui nous l'envoie, donc merci beaucoup. Et c'est le gel douche que j'utilise tout le temps pour Maëlia, il m'a été recommandé par ma dermato pour sa peau sèche, etc. C'est le Bioderma Atoderme huile de douche. Donc c'est pour tout, pour les enfants, pour les adultes. Et c'est ce que j'utilise depuis plus d'un an, je crois, hein, sur Maë. Quoi? J'ai rien fait. Tu fais des bêtises pendant que je parle. Donc j'utilise plus d'un an, ça fait plus d'un an que je l'utilise sur Maëlia, car elle a la peau très sèche. Des petites plaques d'eczéma qui la démangent. Et donc ça c'est de chez Nuit, c'est sans savon. Et ben c'est très bien parce que au niveau de la sensation quand on le passe, ça fait la peau, ça n'agresse pas la peau. Voilà, donc c'est franchement je vous la recommande si vous cherchez un gel douche qui ne soit pas agressif. Ça laisse la peau douce. Donc voilà, je peux pas trop m'étaler sur le sujet car on doit y aller. Allez, c'est parti, Maëlia. On prépare tout et on y va. On se rejoint au cinéma. Au cinéma, voilà, ce sera plus simple. Allez, à tout à l'heure. Et aussi on va vous montrer le film. On n'a pas trop le droit de montrer des images des films, etc. Mais on fera ce qu'on peut, voilà. Allez, c'est parti, Maë. Sac à dos, veste. Sac à dos, veste, tout. Arrive au cinéma Pâté Madeleine. Alors on est arrivé au ciné, on fait la queue pour entrer et on a vu qui sur le chemin, Maëlia? On a vu Amel, l'amie de grand mamie. Voilà, donc Amel, je pense que tu vas sûrement voir cette vidéo. On te fait de gros bisous. Alors ça y est, on va à la salle 8, c'est en haut. Allez, on monte. Hop. Oui. C'est là. Super. Ah ben c'est une petite salle. Alors Maëlia, elle a eu ses lunettes. Ouais, pour voir en 3D. Ça va? Moments later. Hey.
C'est déjà fini Coco, c'était génial. Est-ce que t'as aimé toi? Oui. Ah moi j'ai adoré, c'est un film, enfin un dessin animé qu'on va acheter quand il sort. Hein. On va le prendre celui-là, il était trop bien, franchement j'ai adoré. J'ai versé ma petite larme discretos aussi à la fin. T'as pas pleuré toi? Non. Hein? L'histoire elle est vraiment très très belle et franchement je vous recommande ce dessin animé si jamais vous ne l'avez pas vu. Contrairement aux autres Disney, ils chantent pas trop, tu sais, comme dans les comédies musicales là. C'est un petit garçon qui adore la musique, mais il n'y a pas que des chansons en fait mais dans le dessin animé. Les parents de Coco, ils aiment pas la musique. Eh oui. Et bientôt dans la fin, ben, ils ont adoré. À la fin, ils ont accepté la musique et franchement, c'était très très beau, j'ai adoré. Hein? Donc maintenant on va aller manger au McDo parce qu'on n'a pas faim, on a faim, j'allais dire on n'a pas faim, on n'a pas mangé donc à midi, donc on y va maintenant, il est 17h15, on va manger notre repas de midi maintenant, allez on est légèrement décalé, hein, c'est les vacances, allez c'est parti. Bon appétit petit cœur. Alors qu'est-ce que tu as eu comme jouet aujourd'hui? Monsieur Madame, ouais, Monsieur à l'envers. Et Madame Beauté. Je l'adore, Madame Beauté. D'accord. Bon, ben, comme d'habitude, hein, on se retrouve au McDo. Bon, vous nous voyez souvent manger au McDo dans les vlogs, mais je vous rassure, on ne vlogue pas tous les jours. Et on ne mange pas au McDo tous les jours non plus. Hello les copines. Coucou tout le monde, on se retrouve. Nous sommes le lendemain. Donc, hier soir, on a arrêté, on n'a pas repris le vlog. Donc on s'en était arrêté au McDo, oui. Ouais, hier, donc c'était bien bon. Et maintenant, on va aller voir le chat de chez Mamie Marlène. Donc voilà, bon, je comptais leur faire la surprise, mais bon, c'est pas grave. On va aller voir aujourd'hui le nouveau chat de Tati Ambre et Mamie. Donc voilà, elles l'ont eu aujourd'hui. Donc on va essayer de la filmer, là elle a un peu peur, elle se cache, donc je ne sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas on espère qu'on arrivera à vous la montrer un petit peu. Et voilà, après nous on ira faire quelques courses parce qu'il n'y a encore plus rien à manger. C'est presque vide. Le frigo est presque vide, donc on va vite y aller. Et voilà, ce sera très très simple aujourd'hui, je pense pas qu'on vous amène avec nous pour les courses, parce qu'on vous a déjà amené la dernière fois, mais... Donc voilà le petit programme de l'après-midi. Un petit, c'est quoi? C'est un petit pigeon qui roucoule ou quoi? Bon, allez, à tout à l'heure, on se retrouve chez Mamie. C'est parti, tôt. C'est parti. Coucou. C'est Kira? Oui. Coucou Kira. Ah ben ça va. Un câlin à Tati Ambre. J'essaie de transpirer. Transpire. Comment ça va? Bonjour. Allez Maïa, tu dis bonjour à Kira. Bonjour Kira. Coucou. Oh ben voilà. Elle aime les câlins. Donc elle a 2 ans. Moi j'ai 5 ans. Et Tati Ambre et Mamie sont allées la récupérer à la SPA. Elle a déjà son petit panier. Coucou. Ah d'accord, ok. Oh, coucou. Ah ben ça va. Et alors ma belle? Ma belle. C'est ton premier jour, hein? Je veux dire le premier jour de cette maison. Eh oui, c'est le premier jour ici. Mais ça va, elle s'est bien habituée, on dirait. Hein? Elle n'a pas de jouet. Ah ben elle en aura. Ah, elle en a. Ah. Ah ouais. Elle a pas envoyé les griffes, elle a juste envoyé la patte. Ouais, parce qu'elle est habituée à pas envoyer les griffes.
Bon, elle est un peu craintive alors. Hein. C'est normal. Hein. Ouais. Alors, je vais aller faire quelques courses à Intermarché. Je vais laisser Maëlia avec mamie, tati Ambre et tonton Elias et Kira. Hein? Bon, elle peut pas trop bien faire connaissance car elle est un peu craintive. Donc, ouais, on attendra quelques jours. Hein? Après, tu pourras la caresser. Elle s'est mise sous la table. En dessous de la table. En dessous de la table. Donc, c'est parti. J'y vais. Et on se retrouve tout à l'heure, Maëlia. Bisous. Dû avoir l'impression que je suis même pas partie, mais je suis bien revenue. Je suis allée déposer les affaires à la maison parce que j'avais deux gros sacs très très lourds. Donc voilà, on va aller à la maison maintenant. On va rentrer. Alors j'en profite pour passer le bonjour à la dame que ma maman a rencontrée à Intermarché. Donc elle s'appelle Jade, elle nous suit sur YouTube. Si vous nous voyez Intermarché, ce sera avec plaisir. On vous fait de gros bisous. Kira, elle adore Zimane aussi. Coucou. Ça, c'est Zimane. Ouais. Et Maëlia, qu'est-ce que tu regardes? Je regarde la vidéo sur Magic Surprise. Maëlia, elle regarde des vidéos de sa maman que je fais sur la chaîne Magic Surprise, sur les poupées, etc. Et j'adore ça. Je fais des mises en scène avec les poupées, les kits, les playsets. N'hésitez pas à me rejoindre, ah il y a Kira qui est là, sur la chaîne Magic Surprise pour des déballages de jouets, des mises en scène avec les poupées, les jouets, etc. Je vous attends tous. Et voilà, nous vous avons présenté Kira, le nouveau membre de la famille. Elle s'habitue petit à petit à sa nouvelle maison. La vidéo est maintenant terminée, on espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez-nous des pouces en l'air. N'hésitez pas à vous abonner, ça nous fait super plaisir et ça nous encourage. On vous fait de gros bisous et des gros câlins. Bye bye !